Donc je vais pas être très long. La soirée est bien plus intéressante que tout ce que je pourrais avoir à vous dire. Et puis, nous avons la chance, j'irais, d'avoir les témoins de la manifestation dans sa construction. Donc, je préfère qu'ils puissent s'exprimer longuement et répondre à vos questions que vous faire un long discours. Je voudrais quand même dire deux, trois petits mots, puisque nous avons une série de soirées projection débat hein, sur l'histoire de la résistance à travers le symbole Jean Moulin. Alors, quand je dis le symbole Jean Moulin, vous imaginez, messieurs et dames du public, symbole Jean Moulin, pour une université qui symbole Jean Moulin, ça a un certain symbole, justement. Mais je tiens à dire que ça n'a pas qu'un symbole. Et que nous voulons, l'une de nos volontés les plus fortes aujourd'hui, c'est de donner aussi au nom que nous portons un sens qu'on a parfois cherché dans cet établissement, et dont j'aimerais qu'il devienne aujourd'hui évident, celui-ci et bien d'autres d'ailleurs. Et cette soirée est aussi importante parce qu'elle est bien sûr sur Jean Moulin et qu'elle recoupe un certain nombre de projets que nous avons actuellement. Il est connu que Lyon 3 a aujourd'hui ou a été consulté pour être acquéreur d'un terrain pas très loin d'ici qui s'appelle la prison Montluc, qui recouvre encore la mémoire de Jean Moulin bien sûr, puisqu'on sait que Jean Moulin y a passé des moments difficiles, pas que lui, il y a aussi les enfants d'Isieux qui sont passés, il y a une histoire extrêmement riche et compliquée hein, de cette prison, donc c'est sûrement pas un hasard, encore une fois, puisqu'encore une fois nous voulons donner du sens au nom que nous portons, mais ça arrive aussi à un moment extrêmement opportun, puisque on a eu peur de ce qu'on pourrait faire sur cette prison, et je tiens à vous le dire sans aller plus loin, que le président de cette université, Jean Moulin, ne sera pas un destructeur de la mémoire, et qu'au contraire, même si nous allons y faire un projet, je l'espère, hein, il y a aussi des tractations à mener avec ceux qui veulent nous le vendre, et qui oublient parfois aussi que c'est un lieu de mémoire, ceux qui veulent nous le vendre, que non seulement nous ne serons pas destructeurs, mais que nous porterons le projet de mémoire avec eux, avec l'ensemble du projet que nous construirons sur ce site. Donc je suis très heureux de pouvoir ouvrir, si je puis dire, cette manifestation avec vous. C'est aussi pour moi l'occasion d'abord de vous remercier, vous, Madame Morger-Messin, puisque il y a longtemps que vous œuvrez, pas si longtemps que ça, vous êtes si jeune, mais il y a quand même quelques années que vous nous aidez dans ces productions, et qu'à travers vous, c'est bien sûr la culture à Lyon 3, mais c'est aussi une part particulière de la bibliothèque et du SCD, de votre participation, hein, je dirais, le SCD à ces actions culturelles. Donc je vous en remercie, et elles sont fréquentes, nombreuses. Et je sais, j'ai parlé de sens, là encore, quand on est avec vous, ce mot a un sens, justement. Car vous ne les décidez pas n'importe comment, et aujourd'hui, nous ne sommes pas là par hasard. C'est aussi grâce à vous, par, je dirais, vos connaissances, et notamment de deux réalisateurs qui ont produit ce que nous allons voir ce soir, et qui pourront répondre encore une fois aux questions, aux témoignages sur la construction des documents. Et puis, je leur ai dit tout à l'heure, je tiens à les remercier beaucoup, parce que je veux que le public le sache, vous avez cédé vos droits d'auteur. Et évidemment, pour nous, c'est important parce que ça nous permettra... Oui, j'ai vu qu'on était en négociation pour la deuxième séance. Mais bon. Pour ce soir, c'est gagné. Donc, vous l'avez dit, vous êtes des hommes de parole. Donc, je le conserve. Enfin, vous m'avez dit, c'est bien normal, on œuvre pour la mémoire. C'est peut-être normal. Je suis assez d'accord avec vous sur l'idée, mais c'est pas si fréquent quand même. Donc je tiens à vous en remercier vraiment parce que ça nous permettra aussi d'avoir des facilités économiques, disons-le, hein, ça nous simplifiera un peu la vie pour pouvoir faire vivre cette mémoire, donc je vous en remercie beaucoup. Le deuxième élément, c'est que c'est pas fréquent, c'est pas facile de voir forcément ce que vous allez voir ce soir, donc on vous doit cette relation avec ces deux réalisateurs d'en avoir une certaine exclusivité aujourd'hui. Comment ? Mais je comprendrais bien qu'un président ne peut pas le dire parce que c'est embêtant, après on dit, mais ce président va avoir une drôle de réputation. Il y en a de futurs qui en ont eu une pire que moi, donc je fais attention dans ce contexte un peu douteux, mais je confirme en effet que vous avez beaucoup de charme, et je vous remercie de l'utiliser au combien pour notre établissement. N'hésitez pas à utiliser tout vos charmes pour des manifestations comme ça. Voilà, je voulais aussi remercier Madame Martine Millet, responsable du mémorial Jean Moulin, de Caluire, qui doit être avec nous ce soir. Je ne l'ai pas discerné, elle n'est peut-être pas encore là. Elle nous a garanti qu'elle viendrait, donc si elle est là, qu'elle m'excuse si je ne l'ai pas saluée tout de suite. Et si elle arrive, nous l'excuserons de son retard, si vous le voulez bien. Voilà, je ne ferai pas plus long. Donc merci encore de réalisateur, merci à vous. Et puis je ne pourrai pas rester avec vous, puisque on va dire que j'ai un emploi du temps qui n'est pas très humain en ce moment. Mais je tenais absolument à venir à la fois remercier les réalisateurs, saluer le public et espérer qu'on ait encore de nombreuses manifestations de ce type pour renforcer encore le sens que nous voulons donner à notre image. Merci. Et à notre nom. Merci beaucoup. Merci à vous.
Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous préciser que bon, ces soirées effectivement sont organisées de façon régulière depuis 8 ans avec un fil conducteur qui est donc l'actualité. L'actualité française et internationale. Donc vous avez dû voir tous les événements que nous avons pu faire auparavant. Et l'actualité qui nous intéresse ce soir, qui nous réunit ce soir, c'est d'abord une commémoration. Donc, puisqu'on est dans une commémoration des 70 ans à la fois de la création du Conseil national de la Résistance et de l'arrestation de Jean Moulin, les deux se passant à peine à un mois d'échéance, hein, au mois de mai, donc la création du Conseil national de la Résistance par Jean Moulin, au mois de juin, son arrestation à Caluire, dans la maison du docteur Desbougeons. Donc pour les étudiants qui éventuellement ne connaîtraient pas ce lieu, donc le lieu de l'arrestation de Jean Moulin, c'est ce qu'on appelle la maison du docteur Desbougeons, qui est à Caluire, sur la colline, qui est un lieu mémoriel, qui est un lieu que l'on peut visiter, et vous pouvez aussi voir un film documentaire de quelques minutes qui est assez intéressant. Et l'idée donc de l'actualité à travers ces films, eh bien c'est de s'interroger un petit peu sur l'aspect civique, politique de la notion de résistance. C'est d'essayer aussi de comprendre la portée du symbole Jean Moulin, qui est un symbole national, et d'essayer de voir 20 ans aussi après la réalisation de ces films où nous en sommes aujourd'hui par rapport à cette image. C'est d'essayer de comprendre ce qu'a été le Conseil national de la Résistance, quels étaient ses objectifs, et d'en extraire peut-être une partie du legs sur lequel quand même notre société d'aujourd'hui a été construite, même si on n'a pas eu la totalité du legs, on est bien d'accord, mais quand même. Et pour tout cela, on a une double chance, vous l'avez bien compris. Un, nous allons pouvoir voir deux films. Celui que nous allons voir ce soir, qui est donc Le Préfet de l'Ombre, et puis mardi prochain, Le Coq Enchaîné. Ce sont deux films très complémentaires, qu'ils disent à la fois la même chose et pas tout à fait la même chose. En tout cas, les personnes que l'on voit dans ces films sont différentes. Dans l'un, en particulier dans Le Coq Enchaîné, mardi, vous verrez, ce sont vraiment des acteurs lyonnais de la Résistance, donc peut-être ceux que l'on voyait le moins. Donc cette première chance-là, parce que ces films ne sont pas visibles, sauf Le Préfet de l'Ombre qui est sur le site de l'INA, mais ce n'est pas simple d'y accéder, disons-le. Et la deuxième chance, eh bien, c'est d'avoir effectivement les deux co-auteurs, réalisateurs des films qui sont là avec nous ce soir et qui pourront donc répondre à vos questions après la projection du film. Donc, je salue Monsieur Didier Bouillot. Vous êtes historien, vous êtes journaliste, vous réalisez des documentaires pour France 3, vous avez été rédacteur en chef pour France 3 en Rhône-Alpes. Et puis Bernard Maigrot, vous êtes réalisateur, metteur en scène, vous avez à votre actif de nombreuses réalisations, tant de films de fiction que de documentaires, que de magazines. Encore un petit mot avant que vous preniez la parole pour introduire les images, simplement pour dire ce qui m'a marqué dans le temps que nous avons eu en commun pour préparer ces deux soirées. Nous avons bien sûr échangé et j'ai retenu plusieurs choses qui m'ont marqué et que j'ai revérifié après dans les films lorsque je les ai vus, parce que moi je les ai vus avant vous, donc ça c'est bien. Votre intérêt pour la transmission de la mémoire est très clair dans les films. Votre intérêt pour la symbolique des lieux, et Dieu sait que les lieux on va les voir beaucoup, même s'ils ne sont pas explicités, mais à chaque fois il y a un lien très fort avec la parole précédente. Votre souci de rendre cette parole vivante au plus près de la réalité ou de la réalité de ceux qui parlent, là il y a peut-être un débat, et même, vous le verrez, si ces paroles sont parfois un peu avares, il y a certains moments où les silences ou les trois petits points de suspension en disent beaucoup. Je vous laisse introduire la projection, puis ensuite donc, nous verrons le film et nous aurons tout loisir ensuite, en tout cas pour vous, de pouvoir échanger avec donc, les deux réalisateurs. Avant que Didier parle, parce que comme c'est un journaliste, il parle beaucoup, sachez que je ne parle jamais, je suis un homme d'image, donc c'est lui qui parlera.
Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'abord à l'université de nous accueillir pour cette projection. Un documentaire, c'est quelque chose qui est censé avoir une vie, et on ne sait jamais quelle est la durée de cette vie. Ce soir, pour nous, eh bien, on va voir si finalement notre documentaire survit au temps qui passe. Ça, c'est une première chose, et c'est un petit peu pour expliquer notre position ce soir. Pour présenter ce documentaire, j'ai envie de vous citer un vers d'Eddie Mitchell. Les gens oublient puis redécouvrent le rock'n'roll. C'est une phrase qui peut s'appliquer à Jean Moulin. Les gens ont oublié et ont redécouvert Jean Moulin, et aujourd'hui redécouvre Jean Moulin. Alors à chaque fois, ce symbole qui s'est constitué au fil du temps vient se représenter à nous dans l'actualité. Soit parce que effectivement on arrive dans une année en zéro. La presse aime bien les années en zéro, ça permet de commémorer. Mais aussi parce que la société nous offre sans cesse des requestionnements sur les valeurs qui ont été défendues dans ces 5 années terribles. Donc, et j'ai tendance à dire dans ces 12 années terribles. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est finalement un documentaire qui présente l'homme, sa vie, son œuvre. C'est un petit peu une formule consacrée, mais elle permet d'accrocher sur un être humain les questions fondamentales que le symbole véhicule. Je vous remercie, je vous laisse apprécier le préfet de l'ombre. Oui, il me donne pas la parole, je vous l'avais dit. C'est toujours pareil, la première est toujours difficile, et après ça démarre, voilà. Traditionnellement, on dit commencer par la seconde. Je vais demander, mais je pense qu'ils ne vont pas pouvoir répondre. Je vais demander si vous avez une idée de la personne qui a pu les vendre lors de cette fameuse réunion. Alors, je peux citer Claude Bourdet. Pendant très longtemps, on a cru que c'était Hardy. Mais Claude Bourdet disait non, jusqu'au moment où il a appris que Hardy avait été arrêté par la Gestapo. Hardy avait oublié de le dire. En principe, quand un des résistants était arrêté par la Gestapo et ensuite libéré, il allait directement voir un de ses chefs et on l'extradait, je dirais, ou vers l'Algérie, ou vers Londres. Et Hardy ne l'a pas dit. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est posé des questions. Je suis un peu embêté parce qu'il y a eu deux procès qui ont donc dit que Hardy était innocent. Il m'est donc difficile de parler après donc la chose jugée. D'ailleurs, le service juridique de la télévision nous avait demandé de ne pas justement intervenir à ce sujet, sinon nous aurions pu avoir un procès pour les descendants d'Hardy. Bon, actuellement, Hardy n'est pas celui qui a vendu. Je ne vous donnerai pas connaissance des discussions que j'ai eues avec Claude Bourdet. C'est un débat sans fin autour de cette question fondamentale. Moi, quand j'ai fait ce travail, c'est une époque où je travaillais beaucoup sur la résistance, puisque je travaillais sur l'histoire du mouvement de résistance dont il sera question mardi. Et donc, je cherchais partout de la documentation. Voilà. Et ce qui m'avait conduit à me faire une opinion sur la question, c'est le travail d'un autre historien, journaliste lui aussi, qui travaille au Progrès toujours, qui est toujours historien sur Lyon, Gérard Chauvy, qui, par la suite, a publié d'autres livres. Mais
Dans ce livre qu'il avait publié en 1991, il décrivait très précisément, minute par minute, les quelques semaines et quelques jours qui avaient précédé l'arrestation. Et du point de vue du travail de la police allemande, comment elle avait travaillé pour arrêter, retourner, faire pression, etc. Et on sent toute la complexité de ce moment. Donc, dire que c'est l'un ou que c'est l'autre, c'est effectivement stigmatiser ou trouver une solution qui, quelque part, nous satisfait parce qu'on se dit, oui, finalement, voilà. Mais un petit peu aussi, quand on comprend la complexité, la tension de ce moment-là, eh ben, quelque part, on est obligé de se dire, il devient inutile de chercher un coupable. Ça s'est fait par cet enchaînement de pression, de tension, de peur. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier de cette période, c'est la peur qui taraudait le ventre des clandestins, le ventre de chacun d'entre eux, depuis le plus anonyme des résistants jusqu'à Jean Moulin. Donc, voilà, c'est 90% des gens pensent que c'est Hardy qui a donné. Pourquoi il l'a fait, ça peut s'expliquer, ça peut se justifier, se comprendre, c'est autre chose, s'excuser, c'est autre chose, se pardonner, voire. Je dirais que c'est la figure de Jean Moulin dépasse aujourd'hui le débat sur cette trahison. Chaque mouvement de résistance, quelque part, elle synthétise toutes les histoires de trahison qui ont traversé l'histoire de la résistance. C'est vrai que Hardy est le seul qui soit sorti de cette rafle. Hein. Bien évidemment, il a couru, je ne sais plus dans quel... Il s'est évadé par l'avenue Castellane. Oui, c'est ça, il s'est évadé. Quoi. C'est le seul qui soit... Donc c'est aussi encore, malheureusement, quelque chose qui pèse sur lui, là, bien évidemment. Je n'entends pas, monsieur, excusez-moi. Est-ce qu'Aubrac avait été arrêté? Apparemment, non. Aubrac a été arrêté au même moment, il a été interné à Montluc en même temps que Jean Moulin, etc. etc. quoi. Je veux dire, c'est... Oui, oui. Pour la deuxième fois, puisqu'il avait déjà été libéré par sa femme et par l'avenue des Hirondelles, quoi. Alors, moi, j'aimerais revenir sur l'aspect politique du mouvement de résistance, parce que s'il y a une chose que l'on voit particulièrement bien dans ce film, c'est que la création du CNR ne va pas de soi. Deux, en particulier, dont Bourdet, ont ce temps de réflexion avant de répondre à la question de la fédération des mouvements de résistance. Donc, c'était un acte politique, la fédération des mouvements de résistance, avec un objectif après la libération. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect-là des choses et de la façon dont les témoins résistants vous en ont parlé? Une chose en particulier, vous avez pu vous apercevoir que Freinet ne faisait pas partie du Conseil national de la résistance. Pour une raison assez simple, Freinet, par trois fois, est allé rencontrer à Vichy le ministre de l'Intérieur de l'époque, dont j'ai oublié le nom, en accord avec d'ailleurs les mouvements de résistance, mais il était resté une certaine suspicion à son égard de ce côté-là. Et c'est Bourdet qui a donc pris la suite au niveau de combat. Et les dissensions qu'il y avait entre D'Astier et Freinet, du coup, ont pu s'estomper. À partir de là, ils ont mis en place effectivement un programme, on pourrait appeler un programme de gouvernement. Ce programme de gouvernement, bien évidemment, quand on regarde bien les choses, peu a été mis en place par De Gaulle tout de suite après. Mais quand même, le droit de vote, mesdames, vient de là. Ainsi que la sécurité sociale, si mes souvenirs sont bons. Ça faisait partie, donc, de ce qui était... C'est à peu près les deux grands choses importantes, n'est-ce pas, qui ont été conservées par... du Conseil national de la résistance. Il y a d'autres choses, et Didier va en ajouter, parce que moi, vous savez, j'ai 75 ans, ma mémoire faiblit.
Le Conseil national de la résistance, il a un rôle immédiat en 1943, au moment de la création par Jean Moulin. C'est d'apporter à De Gaulle le soutien de la résistance intérieure dans la bagarre qui l'oppose au général Giraud, ouais. Qui a le soutien des Américains. De Gaulle, il est dans une situation, à un moment où où il se retrouve tout seul, et c'est les forces de la résistance intérieure qui, quelque part, viennent lui donner les troupes dont il a besoin pour s'imposer politiquement face aux Anglais, face aux Américains, qui n'ont pas envie de traiter avec lui. J'ai vu récemment un documentaire concernant l'argent de la résistance sur Arte ou France 5 il y a quelque temps, qui détaille très précisément ce moment-là. Donc c'est la création du CNR dans l'esprit de Moulin. Et là, cet aspect tactique immédiat d'apporter à De Gaulle les troupes de la résistance intérieure et de lui apporter ce soutien, ce sera efficace puisque en août 1943, De Gaulle a emporté la partie. Ça, c'est la première des choses. Le travail du CNR, ce qui montre bien que Moulin lui-même avait une vision au-delà de la fin de la guerre, au-delà de la libération, dans la reconstruction du pays, dans cette vision républicaine, c'est que le CNR, il est là, il a réuni tout le monde. Et il a réuni les partis de la Troisième République, les radicaux, la droite, les partis de droite traditionnels, etc. Jusqu'à la cagoule, dit Malraux d'ailleurs. Voilà. Et donc il a réintégré la notion républicaine et en y apportant tous les éléments sociaux qui ont manqué à la Troisième République sur la fin de son existence. Et donc Moulin n'a pas dirigé ce travail, mais en tout cas il l'a initié. Après il s'est fait dans les circonstances qui ont été celles de 1944, 45, 46, etc. Et effectivement, une partie du programme du CNR s'est retrouvé appliqué dans la Constitution et la législation de la 4e République. Et ça, il y a des éléments qui demeurent aujourd'hui. Effectivement, la sécurité sociale est née le 27 mai 1943 avec le CNR. Sans oublier, bien évidemment, que dans cette Constitution, il est bien dit que le général de Gaulle serait le chef donc de la République à la libération. Il ne faut pas oublier que c'était aussi ça l'important du CNR. Alors bon, on peut épiloguer là-dessus, hein, mais c'était aussi Moulin qui avait mis ça en place, avec l'accord de De Gaulle bien évidemment, et pour justement que De Gaulle, face à Giraud, qui était qu'un militaire et n'étant pas tellement un petit peu rude, n'est-ce pas ? Il n'avait pas le même sens politique que De Gaulle. pas le même sens politique que De Gaulle. Voilà. Oui, docteur. Parce qu'il me semble bien que c'est vous. C'est bien vous. Oui, je vous connais. Je vais encore poser une question. Hein. Au plan artistique, si j'ai bien compris, ce film, vous l'avez fait pour le cinquantenaire de la mort de Jean Moulin. Et j'ai trouvé un truc très intéressant. C'est d'avoir mis en scène ces élèves du collège Jean Moulin qui montrent une symbolique forte dans la transmission de la mémoire, la poursuite de la mémoire. Oui, ça fait partie de la chance d'un metteur en scène, d'un réalisateur. Il s'avère que ce lycée avait mis en place, justement, ce collège avait mis en place avec ses élèves un certain nombre de choses. Nous l'avons appris et je crois que c'était très important, justement, de l'intégrer, hein, pour faire voir que cette mémoire était là. D'autre part, puisque vous me parlez de la forme, vous avez pu être étonné de voir des feuilles qui, comme ça. Je l'ai choisi parce que je pensais que c'était effectivement, on tournait les feuilles comme dans un livre, hein, n'est-ce pas ? C'était important. Ça, c'est des témoignages, on pouvait les lire, mais là on les écoutait. Hein. Nous n'avons fait qu'écouter
nous n'avons pas à prendre parti. Hein, c'était un film qui, justement, amenait un certain nombre de témoignages contradictoires, des fois, hein, faut bien regarder les choses. Hein. C'était pas tout blanc, c'était pas tout noir, c'était pas tout rose, ni tout rouge, ni tout blanc pour ceux de droite comme ceux de gauche. Mais Moulin a eu cette force énorme de pouvoir les réunir. Et je crois que l'horizon funèbre de Malraux, c'est un grand moment, quoi. Juste sur le spectacle de l'école Jean Moulin, donc c'est une école primaire hein, qui... Primaire, ah oui, c'est primaire, oui. Ce spectacle, il a été réalisé à une époque où c'était Madame Gisèle Pham qui était la directrice du centre de documentation pédagogique. Ouais. Et elle s'est notamment battue pour que la maison du docteur Dugoujon devienne le mémorial Jean Moulin. Et elle était, elle aussi, elle est toujours une fervente défenseur de la mémoire de Jean Moulin. Et ce spectacle, pour nous, ça a été comme une curiosité. On l'a tourné sous la responsabilité de Bernard. Merci. Voilà. Et dans le montage, ça apporte un petit peu, comme je disais tout à l'heure, on redécouvre la façon dont les messages se transmettent, s'absorbent, se comprennent. Et là, moi, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que les enfants, ils étaient totalement habités par cette mémoire, et que les thèmes qu'on a placés là, avec ce détachement que représente le spectacle joué par des enfants, etc., ça condense et ça absorbe toute l'émotion de ces moments-là. Donc, la chance, puis un petit peu le talent. Enfin, voilà. Merci. Il faut savoir qu'il y a un problème, il y a un gros, gros travail de recherche hein, dans un documentaire de ce genre, ou dans tous les documentaires. Hein. Faut trouver les documents, faut vraiment aller chercher. On a eu la chance d'avoir le CRDH ici avec nous. CHRD, on a eu la chance d'avoir justement Gisèle Pham, on a eu la chance d'avoir accès à des documents et ça a enrichi terriblement tout le discours qui a été donné dans ce film. Je crois qu'il y avait une question avec une... Ah voilà, c'est ce monsieur, oui, voilà. Je vous en prie. Je voulais vous poser une question un peu plus générale parce que dans cette même salle, il y a quelques années, il y avait le substitut du procureur du procès Barbie qui nous racontait des moments donc justement du procès Barbie, en particulier quelque chose qui se passait à l'extérieur du tribunal. C'était dans les premières parties du procès, il y avait Forisson qui distribuait des tracts, ouais, en disant « mais c'est complètement faux, les chambres à gaz n'ont pas existé, etc. etc. » et qui continuait à distribuer tant que dans les premières parties du procès, il n'y avait que les avocats donc, qui bataillaient, qui ferraillaient. Et à un moment, donc, il y a eu l'étape où les témoins vivants sont arrivés et ont commencé à témoigner donc, de ce qu'ils avaient vécu dans le procès. À partir de ce moment-là, Forisson a complètement disparu parce que devant le poids de ces témoignages vivants, il pouvait pas rester, sinon il serait fait lyncher. Et la question que j'aurais, c'est avec le temps, comme tous ces témoignages vivants vont disparaître, est-ce que ce documentaire aura le même poids d'ici quelques décennies, devant les écrits de certains négationnistes où les historiens du moment n'auront qu'à, en fin de compte, factuellement, qu'à comparer ce type de documentaire, ces écrits et peut-être éventuellement d'autres documentaires qui seront contradictoires par rapport à celui-ci. Je crois qu'on a déjà une grande chance, c'est qu'on a fait quelques films ensemble et ces films vivent. La preuve, c'est qu'ils sont là. Il est là ce soir, celui-là, mais il est vu, je sais pas moi, une dizaine de fois par an, dans un certain nombre d'endroits. C'est assez étonnant. En tous les cas, celui-là sur Jean Moulin, sur le coq enchaîné aussi. Tout ça continue à vivre. Là, ça fait 20 ans qu'on l'a fait. Ben, je l'ai regardé aujourd'hui. Il est quand même d'actualité. Hein, vraiment, j'étais étonné. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme talent? C'est la question que vous posez, c'est celle effectivement de la distance de l'observateur par rapport aux faits et du rôle des témoins, puis des historiens,
dans l'établissement de cette histoire. L'histoire, c'est une science qui établit une succession de faits et développe leur analyse, leur contextualisation, leur compréhension, qui traite de ces faits. Mais le premier des rôles des historiens, c'est de les établir. Donc, je dirais que modestement, à travers ce documentaire, on a posé une borne pour l'établissement des faits sur le rôle de Jean Moulin, son arrestation, etc., etc., façon, sa vie. Le négationnisme, lui, vient contester les faits et de façon à développer des thèses différentes qui servent le présent. Ça, c'est quelque chose pour les historiens d'aujourd'hui, pour les étudiants d'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas de rapport direct avec les témoins, qui n'ont pas un vécu ni eu de rapport direct avec les témoins. C'est un piège à éviter. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des symboles, des lieux de mémoire. Pierre Nora avait développé dans les années 80 cette notion de lieu de mémoire. Il faut qu'il y ait des lieux de mémoire qui portent la connexion avec les faits pour justement que la tentation négationniste ne soit pas, ne trouve pas matière à être reçue ou écho dans la population, dans les nouvelles générations. Et je vais vous donner l'exemple qui me concerne. J'ai fait mes études secondaires au collège André Lassagne, qui était à la Réunion de Caluire, et je rentrais chez moi en parcourant la rue Jean Moulin, ce qui est la plus grande rue de Caluire, et je passais très régulièrement devant la statue de Jean Moulin qui est érigée au centre de Caluire, à proximité du Radiant, où s'est déroulé le spectacle de ces jeunes enfants. Et je veux dire, ça porte l'existence de ces plaques de rue, de ces plaques de marbre, de ces statues comme celles qui se trouvent à Salon de Provence, ce parachutiste élancé sans visage. Qui représente Jean Moulin. Il faut qu'existe ce type de lieu de mémoire pour que le rapport aux faits soit toujours partagé. Et ça, c'est la défense contre le négationnisme. Je vous avais dit qu'il parlait beaucoup. Je pense que, indéniablement, ces lieux de mémoire sont les symboles. On peut les contester, on peut dire, mais ce sont les symboles, c'est ce qui nous permet de continuer. Le film que vous venez de voir, il n'a plus qu'un qui est vivant, hein, c'est Cordier. C'est un vrai cimetière. Mais ils ont eu la possibilité de témoigner et de dire. Et je crois que ça, c'est le plus important. Et ça restera. Oui, madame. Et il y a monsieur là-bas aussi. Alors, j'aurais deux questions. Ma première question... Parlez plus fort, monsieur. J'aurais deux questions. Allez-y. Alors, ma première question, ce serait de savoir, est-ce que Jean Moulin, il a déjà essuyé des refus de groupes de résistants plutôt politisés à gauche du fait qu'il prenait ses directives du général de Gaulle ? Je sais pas si... Non, je pense qu'au départ, ça a été, comme ça a été dit d'ailleurs, ça n'a pas été facile. Et encore une fois, je vais citer Malraux, ça partait de la cagoule jusqu'au Parti communiste. Il a réussi à fédérer tout le monde, sans pour ça que tout le monde soit d'accord, mais au moins, ce programme du Conseil national de la résistance a existé. Et comme je le disais tout à l'heure, on en a bénéficié au moins sur quelques points. À part ça, le reste a été enterré, ça a été autre chose. Comme toujours en politique, il faut faire, on prend ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas faire, on ne le fait pas. Et la deuxième question, c'est La deuxième question serait pour savoir, on a dit au début de la conférence qu'il y avait eu des silences de la part des gens qui étaient interviewés. C'était sur quel thème J'ai pas compris la question. C'est les silences qu'a noté Laurent. Ah, les silences qu'a noté. Faut lui demander.
ce qu'elle a pensé des silences. Ah oui, alors c'est vrai que c'était une réaction que j'ai eue, parce qu'effectivement, lorsque j'ai réceptionné les films, j'ai pu les regarder moi-même, et j'ai été particulièrement attentive à ça, effectivement, à ces silences, ou à ces respirations, Bourdet a beaucoup de respirations avant de répondre, et je pense que tout est là-dedans, en fait, parce qu'effectivement, sur un certain nombre de questions, on voit bien qu'entre un Aubrac qui raconte, qui est presque au bras, qu'il aurait pu être documentariste d'une certaine façon. Il avait son discours déjà prêt depuis voilà, très longtemps. Il a son c'était discours, le même depuis très longtemps. Il est longtemps, celui qui, effectivement, est sans doute le plus interviewé, le plus interrogé depuis longtemps. Il y a eu une image médiatique autour d'Aubrac, bien évidemment, du fait de son épouse, qui là est particulièrement silencieuse, je l'ai noté aussi. Oui, oui, oui. Mais on est un peu misogyne tous les deux, c'est pour ça qu'on l'a mis de côté. Il m'avait semblé. Mais sur ces silences, effectivement, en fait, ce sont des silences qui sont des silences significatifs. Les temps de respiration de Bourdet sont Bourdet, des moments où, effectivement, il répond. Et c'est ça que je voulais aussi vous poser comme question, c'est qu'on est bien des années après les événements, bon là en plus on est dans les années 90, mais c'est encore là les interrogations politiques qu'ils ont pu avoir à l'époque, c'est encore là les doutes avec les trahisons effectivement qui sont passées entre temps, pour lesquelles ils ont bien sûr su ou pas toujours su, mais ils ont sans doute encore des interrogations, mais en tout cas je dirais que politiquement ce n'est pas résolu, quand vous les interrogez politiquement rien n'est résolu, donc c'est pour ça que je disais le poids des silences à ce sens là me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Alors le poids des silences de Bourdet, oui moi je les connais bien puisque Bourdet, je vais vous dévoiler quelque chose, il m'a un peu élevé, c'est mon père spirituel, donc c'est pour ça que nous avons pu d'ailleurs l'interroger sans problème, car sinon il ne donnait aucune interview, Bourdet. Effectivement, il a d'énormes silences. Il ne peut pas dire, il ne peut pas tout dire, c'est évident. On était, et on l'est toujours, dans le fait du mythe de la résistance et aussi donc du symbole de la résistance. Il ne faut pas le détruire, le symbole de la résistance. C'est très important de le conserver, quelles que soient les dissensions que l'on a pu avoir. Et Bourdet choisissait ses mots parce que vous ne l'avez jamais entendu, pour ainsi dire. Il ne donnait aucune interview. Il écrivait effectivement de temps en temps dans Le Monde. Il écrivait encore dans Combat quand Le Combat existait. Mais il s'est toujours refusé la polémique. Si on lit son livre, le dernier, comment ça s'appelle, L'Aventure... Intérieur. L'aventure intérieure, on verra toutes ces hésitations, tout est dedans. Avec le problème de Freinet, qui effectivement, Freinet qui va en Algérie et qui manque de se faire arrêter par Giraud, parce que justement, Giraud a su qu'il avait fait ses trois rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur de Pétain. Il a oublié simplement que tout le monde était d'accord pour qu'il puisse y avoir cette relation, ce qui a permis d'ailleurs à la résistance, à ce moment-là, de pouvoir se réorganiser entre nous. Bon, voilà, ça c'est une des choses importantes. Voilà pour les silences. Est-ce que vous êtes satisfait ? Je vous en prie. Juste pour la question des silences, tient aussi à la forme. C'est-à-dire que c'est un documentaire de 52 minutes. On a un temps, justement, pour, un peu comme dans une pièce de musique, laisser aussi des silences. Si on condense de trop... si on est trop dans la densité, on oublie justement ces moments qui, à l'image, apparaissent comme des moments de soit de détente, soit d'inspiration, soit de réflexion. Donc, la forme documentaire autorise justement ce message-là qui passe dans les silences aussi, comme en musique. Vous savez, quand Bourdet dit un général 3 étoiles qui se met bien aux ordres d'un général 2 étoiles mal accroché, vous voyez tout de suite exactement comment ça pouvait se passer à cette époque-là. Mais malgré tout, Combat a étalé au Conseil national de la Résistance, malgré ça. C'était pas tout à fait. Et quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, il a demandé à Bourdet d'être ministre, Bourdet a refusé. Ça, c'est pour la petite histoire. Il y avait une question d'une dame. Oui. Bonsoir. J'ai été surprise en entendant le témoignage du docteur... Du Goujon. Est-ce que j'ai bien compris ? Je croyais que Jean Moulin avait été emprisonné à Montluc et qu'il n'en était jamais ressorti. Et apparemment, ce n'est pas ça. Tous les soirs, il rentrait
Il était ramené à la maison du docteur ? Non, il était interrogé et il rentrait dans sa cellule. Il était interrogé. Ah, et donc quand le docteur disait il rentrait, on le ramenait, oui. C'est-à-dire qu'on le ramenait dans sa cellule, parce qu'il le regardait par le trou. Ah, parce que lui-même était... Ah, et, bah, lui, pour lui, moi, ça, c'était ah, bah, lui vraiment était arrêté j'étais, aussi, bien évidemment. J'étais extrêmement surprise et j'allais vous dire, mais et le docteur le recevait. Je n'avais pas compris que tout le monde avait été... Tout le monde avait été arrêté, bien si, tout le monde. D'accord, sauf les trois dames qui attendaient pour la consultation. Oui, d'accord. D'accord. Et donc, c'est par le trou de la... Alors, de la cellule qu'ils voient, qu'ils ont vu. C'était pas clair du tout pour moi. Ah, pardon. Et donc, c'était donc très... Merci beaucoup d'avoir clarifié la chose. Je vous en prie. Merci. Ah, alors, oui. Attends, il y a une question tout à fait là-haut. Oui, monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est très, très important le passage où vous expliquez que Jean Moulin, avant même la Deuxième Guerre mondiale, commence à combattre le fascisme. Absolument. En faisant partir des trains pour l'Espagne, en regardant ailleurs. Oui, voilà. Oui, tout à parce fait. Qu'il avait bien saisi que ce qui se passait à Madrid, à Guernica, pouvait s'étendre en France. Avec Pierre Cotte, avec Malraux, ils formaient un trio là, très très important. Et votre film montre également très bien qu'il était ou très courageux ou très fou, parce que plus jeune préfet de l'histoire, il aurait pu ne rien dire. Il serait sans doute devenu ministre. Donc c'est, je pense que c'est un peu des deux, hein. C'est un peu de la folie, un peu du courage. Mais c'est quelque chose que peu de gens à l'époque ont fait, et beaucoup ont préféré vendre leur fidélité. Ma question, ça aurait été de savoir pourquoi vous n'avez pas choisi, ou pas pu, pas choisi plutôt, d'interviewer quelqu'un de sa famille proche. Et sur un petit truc que j'ai oublié, sur les négationnistes, dont je ne prononce pas le nom parce qu'ils ne le méritent pas foncièrement, il y a une seule solution. On regarde ces gens, c'est ceux qui disent que l'occupation allemande n'était pas si grave et que finalement l'extermination des juifs, des homosexuels n'était qu'un point de détail. Il suffit à ces gens de leur présenter les témoignages et une fois que les témoins seront tous morts, de continuer à les combattre politiquement en leur présentant notamment le CNR et en disant que le but du CNR pour détruire le fascisme, c'était d'éradiquer la misère humaine. Voilà, merci. Pas besoin de répondre, vous avez répondu. Merci de votre témoignage en tous les cas. Sur le choix éditorial, oui. Des interviewés, on a fait le choix de raconter le parcours représentant du général de Gaulle, enfin de Jean Moulin dans la résistance, c'est-à-dire de son rôle dans la résistance. Donc nos interlocuteurs principaux étaient Raymond Aubrac, Claude Bourdet, Jean-Pierre Lévy, c'était nos trois et Daniel Cordier qui à l'époque commençait à rentrer dans le cercle des derniers témoins. Aujourd'hui, il est le dernier. Donc on avait ce corpus-là pour traité de notre sujet qui était comment Jean Moulin est devenu un symbole. La famille proche, ma foi, était il n'y avait plus grand monde qui l'avait véritablement connu déjà à cette époque. Donc on était moins... Et puis, il faut bien dire que dans le chemin que nous parcourions nous-mêmes, on a découvert l'homme en lui-même. Donc on n'était pas parti sur l'homme au départ. Et puis, les documents qui nous ont été amenés, ces eaux fortes, ces œuvres picturales, on avait même des documents audiovisuels, mais qui, pour le coup, étaient trop chers pour notre budget. Ah oui, c'est aussi les conditions économiques de réalisation d'un documentaire. On fait qu'on a approché l'homme. C'est peut-être un travail qui demeure aujourd'hui. Il reste à approcher l'homme qu'il a été. Et quand je dis approcher l'homme, c'est comprendre... un petit peu la question que vous posez, pourquoi, quelle était sa folie, quelle était son imagination, celle qu'il avait constituée quand il avait 10, 12, 15 ans, alors que la France était en guerre, alors que la génération de ses parents allait se battre, qu'est-ce qui a constitué son imagination, qu'est-ce qui a fondé son patriotisme, etc. etc. Ça, c'est un travail qui reste à faire. Oui, on l'a quand même un peu abordé, puisque avant même de parler de la résistance, on a un peu parlé de lui juste avant, parce que c'était fondamental de savoir d'où il venait, hein, pour pouvoir ensuite vous dire, bah voilà ce qu'il était. Alors folie, pas folie, je vous laisse juger. Je pense qu'il faut effectivement, quand on milite pour des idées, il faut faire abstraction de soi-même.
et c'est pas évident. On met en jeu des fois sa vie, des fois sa liberté. D'autres ont fait la même chose. Mais lui, ça a été tragique. On va prendre encore deux questions. En revanche, le site de l'université fermant à 21h, on va être obligé de s'arrêter. Donc, je vais donner la parole pour la question. Si vous pouvez répondre assez rapidement, on prendra la deuxième question. Et puis, bon, je vous lis tout de suite, avant qu'on se quitte, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le coq enchaîné. Donc, ah oui. Je dirais la deuxième partie de tout cela, qui est un documentaire plus court hein, en temps, il dure une vingtaine de minutes, mais qui présente ce que, pour ma part, moi, je ne l'avais encore jamais vu, c'est-à-dire les acteurs de la résistance lyonnaise, et uniquement lyonnaise, puisque le coq enchaîné était un mouvement de résistants lyonnais. Au départ. Au départ. Bon, il est devenu important par la suite, mais c'est une histoire qu'on connaît très mal. Ce sont des anonymes, mais non moins des acteurs importants. Oui. Donc je vous donnerai rendez-vous mardi prochain à la même heure ici pour la suite. Voilà, je vous passe la parole. Oui. Comment expliquez-vous, j'allais dire, le renouveau du programme du CNR ? Moi, ce qui me surprend, c'est que, j'allais dire, depuis une dizaine d'années, et notamment à travers de nombreux jeunes engagés dans des mouvements, associations très divers, on reparle de plus en plus du programme du Conseil national de la résistance. Et j'oserais dire, comment le remettre au goût du jour ? Non pas l'appeler ou le défendre en tant que tel, mais il me semble qu'il y a une vague qui s'amplifie de ce côté-là. Tant mieux, parce qu'en 1943, quand ils ont élaboré donc tout ce programme, c'était une réunion donc de tous les politiques, syndicats et aussi mouvements de résistance. Donc c'était un consensus national. Donc si ça revient au goût du jour, moi je peux que m'en réjouir. Mais je pense que c'est pas encore gagné de ce côté-là. C'est pas encore gagné. Il y a dans le programme du CNR une dimension de progrès social, ouais. Qui a fondé, le fonctionnement de la société française pendant une cinquantaine d'années. Et d'ailleurs, c'est assez. Ça répond au questionnement que j'ai posé en début de séance. Il y a 20 ans, le programme du CNR n'était pas aussi prégnant dans l'actualité. Ce thème-là n'était pas aussi prégnant. Aujourd'hui, il l'est. Parce que il y a un sentiment, effectivement, que ça a été du progrès, que ça a été utile, que c'est à défendre, il faut pas jeter faut pas tout jeter à la fois, faut conserver un certain nombre de choses, faut faire un état des lieux, faut faire un droit d'inventaire, et il faut conserver cette notion de progrès. Alors, quand en plus on connaît la méthode, les raisons, etc., là on revient sur les bases et on peut développer dès lors de nouveaux objectifs de progrès social, de progrès humain. Donc, c'est aussi parce que, encore une fois, la figure de Jean Moulin a continué à porter toute la complexité du CNR qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui peut se réclamer de ce symbole pour dire « n'oublions pas le CNR ». Enfin, la seule chose que je regrette dans le CNR, c'est de donner le droit de vote aux femmes. Enfin, ça, bon... On prend la dernière question. Bernard Négro. Bonsoir. Bonsoir et félicitations pour votre film documentaire. Ma question se porte un peu sur l'engagement politique de Jean Moulin. On sait que c'était un homme de gauche, de centre-gauche. Est-ce que ça fut pour lui un handicap quand il a créé le Conseil national de la résistance auprès des autres mouvements ? Et on sait que le CNR avait pour objectif aussi de reconstruire après la guerre. Est-ce qu'il a usé de son engagement ou est-ce qu'il a essayé de pousser son engagement politique d'homme de gauche dans les principaux objectifs qui étaient fixés ? Dans le film, vous le voyez bien, il y a deux facettes de Moulin. Il y a effectivement le radical socialiste qui est là, c'est lui, mais il est aussi le représentant de Gaulle. Et on dit bien, de Gaulle, quand même, c'était quand même un conservateur, même si après il a fait un certain nombre de choses importantes, c'était quand même le conservateur. Donc il avait ces deux faces-là. Je pense que ça lui a permis justement de réunir tout le monde. Je crois que c'est ça. Je ne pense pas que ça l'ait desservi.
Là encore, il y a une complexité du personnage où tout n'a pas été, je dirais, reconnecté. C'est-à-dire que le radical socialiste d'avant-guerre soutient des républicains espagnols, il est engagé dans un combat clairement politique. Il est radical socialiste, il n'est pas socialiste, il n'est pas SFIO. C'est le parti d'Herriot, le parti radical. C'est le parti d'Herriot, c'est le parti de Daladier. Et lui, il fait partie de cette jeune génération du parti radical. C'est donc le parti de Pierre Cotte qui est le père de Jean-Pierre Cotte, le grand-père de Jean-Pierre Cotte. C'est le socle de la Troisième République. Il est sur ce socle-là, penchant à gauche. Mais c'est aussi un homme qui a vécu dans cette génération, qui a eu à se poser la question de l'adhésion ou pas au communisme et du travail avec les communistes. Et dans la résistance, il a travaillé à ramener la résistance communiste au sein de la résistance intérieure. Et donc, d'amener le Parti communiste, effectivement, à soutenir le général de Gaulle à un moment. Donc, dans le jeu des alliés. Donc, l'engagement politique de Moulin qu'il a fait dans les années 20 et 30, il s'en sert et il lui est utile dans tous ses contacts dans la résistance. Et est-ce qu'il a pu penser politiquement à l'art derrière ? Oh, indéniablement. Il a posé toutes les bases. Ah oui, toutes les bases. Oh, oui, c'est évident. Toutes les bases sont là. Par contre, s'il avait été encore vivant à la sortie de la guerre, je ne sais pas du tout ce qui aurait pu se passer. Alors moi, j'ai envie de dire, on répondra à ces questions mardi prochain. Voilà, on va laisser un petit peu de suspense. Qu'en pensez-vous ? Vous voulez fermer. En tant que réalisateur et documentariste, ça doit faire partie, je pense, de l'acte d'un film. On arrive à la 52e minute. Voilà, c'est ça. Bon, on vous remercie profondément pour la qualité de cette soirée. Merci à l'université de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 19h dans ce même endroit pour voir vraiment un film là qui n'est malheureusement visible nulle part. Hein, Le Coq Enchaîné, pour le coup, vous ne le verrez pas. Donc c'est mardi